Daddy pays attention, no one gets hurt. Go! Open the door! They'll get worse than hurt! Hey! Hey! Ah! Come on! Finally! Let's go! Shut up! Eh bien, salut tout le monde, ici Gunset1918, on se retrouve aujourd'hui sur GTA V, la découverte bien sûr de ce magnifique jeu, alors qu'il n'était pas du tout prévu, que je suis bien content de l'avoir maintenant. Alors on va tout simplement présenter le jeu, ce magnifique jeu. Alors ce jeu a été édité par Take-Two Interactive, développé par forcément par Rockstar Games, type action, sorti en France le 17 septembre 2013 et le 17 septembre même aux États-Unis. Là, alors que je vous parle, on est le 13, alors je l'ai quand même quelques jours en avant, je suis bien content. On peut jouer jusqu'à 16 joueurs en ligne, mais je vais vous dire un truc très important, c'est que le mode en ligne ne sera disponible que le 1er octobre à ce qui paraît, et vous pourrez trouver ce jeu une cinquantaine d'euros, et comme d'habitude, les voix sont en anglais, et les sous-titres sont en français, et c'est un jeu déconseillé moins de 18 ans, voilà. Alors, je vous dis déjà, la découverte va être très très courte, hein, c'est vraiment pour vous montrer le début. J'espère que ça plaira aux chaînes communautaires aussi, qui l'auront, que je leur passerai. Et pour ceux qui veulent en découvrir beaucoup plus, je vais faire un let's play sur ce magnifique jeu. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un let's play, ça veut dire que je vais montrer la totalité du jeu en plusieurs vidéos. Voilà. Alors, n'hésitez pas à visiter ma chaîne pour ceux qui veulent voir du let's play GTA. Ou sinon, ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne. Et patientez et vous verrez des jolis petits épisodes qui font peut-être 40 minutes, 1 heure. Je verrai quoi. Alors là, il faut savoir que moi j'avais cru au début qu'on va pouvoir faire 3 histoires. Mais en réalité, c'est l'inverse, ça veut dire les 3 personnages, on peut les contrôler dans notre solo. Et ça, c'est pas mal. Voilà. Alors, on a notre téléphone, démon détonation. Et c'est parti, on va faire tout faire péter. Bam. Allez, mon pote. On y va, fonce, go. Alors là, comme vous avez pu voir, dès qu'on arrive directement, on braque une banque, hein, c'est déjà dans l'action, dans le délire, dans la pure action, quoi. Faut ramasser la thune qui est par terre, quand même. Prenons le butin. Ouais. Allez, on s'en va. Non! Ça, c'est enculé d'avoir mon visage. Voilà, alors là, ce qui est bien, c'est que comme je vous ai dit dans l'histoire, on va pouvoir contrôler logiquement 3 à 4 personnages, je sais plus trop. Et là, on a directement l'exemple. Alors, on va passer au deuxième perso, ce qui fait qu'on va tirer une balle dans la tête de notre ami. Voilà. Magnifique. Faut se barrer avec la thune. Oh merde. C'est pas de problème. Place l'explosif. Ça va péter. Putain. Allez, on s'en va. C'est vraiment une découverte très courte, hein. Je pense qu'elle fera peut-être 15 minutes, même moins, on verra. Mais je me rattraperai sur des épisodes qui feront une heure, hein. Vous inquiétez pas, hein. Pour ceux qui veulent vraiment voir plus, ça va être du délire, les épisodes vont être là le plus rapidement possible. Tout dépendra bien sûr de l'upload et du rendu. Get down over the ground! Faut savoir qu'on a un viseur automatique, hein, ce qui fait qu'on peut directement verrouiller les cibles. Ça nous donne un petit avantage, une petite facilité et truc. Merde. Putain, tu crèves! Voilà, salut! Putain, merde. Voilà. C'est ce qu'on appelle un nettoyage de printemps. On s'en va les gars, on s'en va. Regarde, on peut passer d'un personnage à un autre, ça c'est fort ça. C'est la version rapide quoi, c'est la version changement de perso rapide. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'on peut pas contrôler le troisième. C'est peut-être plus tard à force de faire l'histoire.
Allez, fais-nous rentrer. Comme vous pouvez voir, les graphismes sont vraiment magnifiques quoi. Ils nous ont vraiment fait un excellent travail niveau graphique. Fallait temps hein, parce que GTA 4 commençait vraiment à vieillir. Il datait de 6 ans quand même. Il était temps de changer ce petit moteur graphique quoi. En réalité, les premières missions du jeu, c'est un peu comme des didacticiels. Ça nous montre ce qu'on va pouvoir faire, ce qu'on peut faire et ce qu'on pourra. Enfin, est-ce qu'on peut déjà faire. Voilà, là, c'est nous qui contrôlons la voiture. Regardez-moi ces graphismes. Ça, c'est vraiment mortel. Hein. En plus, on dirait maintenant qu'il va avoir des saisons. Il va avoir l'été, il va avoir de la neige. Ça, c'est tuant, ça. Ça va être vraiment super. Hey, vous inquiétez pas. Je passe tranquille avec la thune. Faites pas attention à moi. Merde! Putain, allez! Pouah, on dirait même que ça influence sur les pneus parce que j'ai glissé là. Non! Maintenant, pour s'échapper avec la thune, ça va pas être évident. Where the fuck's the chopper? Fuck. I'm gonna check around back. Ah! Oh, the fucking fence! Someone must have fucking talked! Alright, Brad's gonna be fine. We gotta get the fuck out of here. Ah, fuck! I'm hit! Oh, Jesus! T, you gotta get out of here! I'm gonna leave you, Mikey! Go! God, I'm not gonna make it. I'm fucking gonna bleed out. Non, je dois sauver mes amis. Je ne me battrai pas sans sauver mes amis. Oh putain. Ouais non, finalement je me bats. Viens ici, casse. Tu vas être mon otage. On va se barrer ensemble. On va aller dans les Caraïbes ensemble. Elle me quitte déjà. Was not always a good husband. Not always a good citizen. He did not die a hero's death, but he was a man. Our Lord was crucified with two thieves. So perhaps we should not judge. We are born of sin and we die in sin. And in this, Michael was like anybody else. Father, we do not know your infinite mysteries, but we know that you will show mercy to our friend. Ça manque de musique quand même, l'intro de GTA. Tu vois, de la petite musique tranquille, quoi, un peu comme à la San Andreas. C'était pas mal. Bah voilà, c'est, ça nous montre un peu ce qu'on va pouvoir faire. Là, on va directement, normalement, voyager direct sur, sur un prochain personnage, mes amis. Le chargement est très long à ce niveau-là. Your son, James. He's a good kid. He's a good kid? A good kid. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Hey. I don't have the advantages that kid has.
By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores. I smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. I think I just did. Oh. Well, I think that's all we have time for. The same time next week? I guess. Oh. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Well, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. Gotta be around here somewhere. Unless they buried it under the sand, fool. Another brilliant Lamar Davis production. Man, fuck you. Hey, excuse me, homie. Can you tell me where Berto Beach House is? No, homie, I cannot. Man, won't you come on? Fuck. Actually, yeah. It's that house right there with the yellow stairs. Yeah. Good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn. Why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet, do some skywriting and reads there's a couple niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See, what you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oh yeah, I forgot, huh? 401ks, tax returns and all? Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slinging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie. Yeah, homie, this the spin knot right here. Your boy Simeon wasn't bullshit. Man, get your ass in here. Bring your ass, fool. Always trying to boss somebody. Come on. Come on. Et bien voilà mes amis, alors on va se quitter là-dessus, comme vous avez pu le remarquer, on se barre directement sur un nouveau personnage, ce qui est vraiment pas mal parce que bah, c'est assez divers, on reste jamais avec le même, ça peut être bien, ça peut donner une bonne histoire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, j'espère en tout cas que les chaînes communautaires, ça leur a plu bien sûr, hein, cette très jolie petite vidéo, j'espère qu'elle vous, que vous aurez aimé. N'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne si vous aura plu, de commenter, mettre un j'aime et bien sûr mettre un petit commentaire si vous avez des questions sur ce jeu ou n'hésitez pas à balancer ce que vous avez en tête. Voilà, un let's play va être bientôt en cours sur ce jeu, alors pour ceux qui comptent voir beaucoup plus sur ce jeu, des amusements, on va peut-être se muscler un coup, bon, on va voir ce que ce GTA nous réserve niveau diversité et ce qu'on pourra faire avec. Et on se retrouvera à un prochain épisode de GTA V qui sera très rapidement là sur ma chaîne, mes amis. Je vous dis à la prochaine, prenez bien soin de vous et on se retrouvera à une prochaine vidéo. Salut tout le monde!